3 secondes 56 centièmes. Secondes 75 centièmes pour Mathieu. Donc selon le règlement, Mathieu serait éliminé et c'est Monsieur Gilles qui passerait. Donc on poursuit avec Monsieur Paul-André Faudeux, préparation Pascal Collard. Toujours dans le 0,56 apparence stock. On poursuit, c'est M. Paul-André Fauteux qui est sur le stand. Parce que... Très rapide. On commence à faire du bruit. Secondes 20 pour M. Paul-André. On poursuit avec Pascal Collard en préparation Michel Veillette. Deuxième préparation. Secondes 91 centièmes pour Pascal. Michel Veillette en préparation. Marco Vallière, deuxième préparation. Richard Saint-Amand. Pour Michel. Trois secondes 75 centièmes. On poursuit avec Marco Vallière en préparation Richard Saint-Amand. Deuxième préparation, André Bédard. Trois secondes, 40 centièmes. Alors le moment dans cette lance-là, c'est avec un 3 secondes 20, c'est M. Paul-André Fauteux. Donc présentement, Richard Saint-Amand, en préparation André Bédard. Les deux derniers dans le 0,56. Oh!
secondes, 22 centièmes pour Richard. Et le dernier, André Bédard. Bon, le dernier dans le 0,56. André Bédard, chronomètre à son frère. Secondes 54 centièmes. Donc le meneur qui est M. Paul-André Fauteux avec un 3 secondes 20 centièmes à la pole position. La première position. La deuxième avec un temps de 3 secondes 40, M. Marco Vallière. Et M. Et M. Gilles Chénier, avec un temps de 3,56, obtient la troisième position.